Le Cameroun était à l'honneur lors de la cérémonie des awards de la marque OAPI, Entendez, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La troisième édition de cet événement qui regroupe 17 États membres s'est déroulée du 13 au 15 mai dernier dans la capitale doualaise. Sur le piédestal de la victoire, le prix du public a été décerné à l'Agence de régulation des marchés publics, la RMP, sous les ovations approuvées de l'assistance présente. Nous n'allons pas bouder notre plaisir parce qu'en réalité, le vote des suffrages publics montre en réalité que nous avons notre produit a été plébiscité et ça nous fait chaud au cœur de savoir effectivement que ce que nous faisons est apprécié à sa juste valeur. L'entreprise pétrolière Green Oil était également sous les feux des projecteurs et a reçu une attestation de nomination du prix du public. Au rang de la meilleure entreprise régionale, c'est le Mali qui a reçu le prix honorifique. Pour ce qui est du prix de la marque OAPI, il fut attribué à la Côte d'Ivoire. La cérémonie riche en couleurs a connu des moments fort émotionnels grâce au directeur général de l'OAPI, Denis Lokubousou. Ce dernier a décerné des prix spéciaux à quelques personnalités en guise de remerciement pour leur implication dans l'organisation de la troisième édition des awards de la marque de l'OAPI. Entre autres, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Gabriel Dodo-Doke, la directrice exécutive du JICAM, Mme Aline Valérie Mbono. De plus, parmi les distingués invités, en première classe, la présence remarquable du nouveau membre de la John Maxwell Team français, Sylvestre Magloire-Tamo, père fondateur de la société Wisdom International. C'était merveilleux, formidable et c'est une initiative à encourager, ajouter. Donc, je pense que c'était le juste prix. On a attribué le juste prix à la personne, à l'entreprise qui méritait. Pour ne citer que cela, au menu divertissement, la star camerounaise Lady Ponce a mis le show dans la salle avec son rythme musical Bikutsi, une danse folklorique locale. À sa suite, la diva Grace Deka a levé la foule avec sa voix mélodieuse et ses pas rythmés à la cadence musicale. Les awards de la marque OAPI ont pour objectif d'honorer les entreprises des 17 États membres de l'OAPI qui utilisent le système de protection de la propriété industrielle en général et celui des marques en particulier pour distinguer leurs produits ou services dans le commerce.